va faire un test. Ça va faire une petite pause à Gwenine. Faut que j'enlève ma boîte, tu penses? Donc bonjour, bienvenue au Téléjournal. Salut tout le monde! Re-bienvenue à notre chaîne YouTube. Là, vous avez vu, on a changé de décor pour une vidéo très spéciale aujourd'hui parce qu'on va cuisiner. Moi, je suis vraiment nulle à chier, mais elle brûle quand même bien. Donc, si vous voulez des trucs de cuisine, regardez l'affaire, regardez-moi surtout pas. Ben là, attends, il va quand même avoir de l'alcool en jeu, donc oui. Regardez-moi pas tant que ça. Oui, on va cuisiner des macarons. Des macarons. Pendant ce temps-là, on va se faire un peu de fun en buvant de la vodka. Alors aujourd'hui, on a un invité parce qu'il faut un animateur qui nous anime, ben... Puis qui nous gère. Qui nous gère, puis qui nous donne des défis. Pour commencer cette séance de recettes pompettes puis vous faire boire. Nous faire boire. Ouais, lui aussi va boire. Moi, dans le fond, ce que je vais faire, je vais animer la situation ici, vous garder up tempo, vous faire boire, manger des bons macarons. Et on y va! On a full on honor. Rachel Ray Show. So today we're gonna show you how to do mac and cheese. On va commencer avant tout par prendre un shooter. Comment bien débuter la situation. Moi, j'ai enlevé mes watts. Je pense que j'en suis tes gars. C'est parti! Ah! Ah! Ça brûle! Qu'est-ce qui brûle? Ah! Ça brûle! Et je bave! Noémie est pas en agonie. J'ai mes dents de sagesse qui poussent, puis là ça m'a fait un nerf. C'est pour ça que j'ai des wax. C'est pas grave, ok? Elle va mourir. Ok! Ah, mais c'est pas ça. Chani assis. Chani debout. Peut-être je vais rester assis finalement. La première étape est de mélanger 210 g de sucre en poudre avec sucre. De sucre. Avec 125 g de poudre d'amande. Mais attends, mais tu ne sais même pas. Mais non, mais c'est 125, ça c'est 100. Mais il y a pas tu m'hésites. Mais après, mélanger 210 g de sucre en poudre et 125 g de poudre d'amande. Tu me signes ton shot. Ne pas estimer le nombre. Non. Oh, 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 là, ça c'est 100. Combien moi? 210. Wow! Oh, les mottes, ça. Ok, fait que là on mélange? Ouais. Prochaine étape, tamiser au-dessus d'une feuille de papier parchemin ou dans un bol pour obtenir un mélange très fin. Non, mais c'est parce qu'on va passer 1000 ans de même. T'es sûr? Mais je pense que c'est supposé secouer. Oui, c'est même qu'ils font dans les choses qui viennent. Fait que là, ici, Chani, ta prochaine étape, c'est d'ajouter 15 g de cacao à le mélange qui est déjà tamisé. Fait que là, ici, nos mains, c'est tromper quelques mérites. Un chat! Ok, maintenant on fait quoi? On mélange? On a fini la première étape. On mérite quoi? Un shooter! Chiquita Mamala! Étape numéro 2. Monter les blancs en neige ferme en fouettant à la vitesse maximale pour obtenir un effet bec d'oiseau. Fait que là, à chaque jaune, vous allez échapper là-dedans, c'est un shooter. Prochaine épreuve. Il faut faire ses yeux fermés. Les yeux fermés. Mais là, si on me force à porter de la fin. Les yeux fermés, non, mais on triche pas. Mon dieu. Il faut le pas trop fort, là. Je repars. T'es bonne. T'es bonne. Non, t'es bonne, t'es bonne. Il est juste que je m'en index, tu joues. Non, c'est bien, vas-y. Rechange-le, full. Wouah! Tiens, tiens. Yo, t'es pas une bonne. Oh, ouais, t'as fini. Ouais. Yeah! Ah. C'est à partir de là, genre? Oui. Dans les yeux! Guys, j'ai cherché, ça porte la fin. On va aller chercher la reste de l'œuf. Ça... Oh là là. Oh! Hey, les yeux, t'as pas cligné. Non, j'ai vraiment été fermé. Tu l'as. Oui, bravo! Encore? Oui, encore. Une fois. Oui, bravo! Encore? Une dernière fois. Oui, oui, oui. Oui, oui. Écarte les bras, oui. Oui, tu sens le. Une dernière fois.
Non, c'est pas le cours de finesse finale. Attends, une petite chute que j'ai vue. Ouais! Fait qu'on pensait un shot parce qu'on a réussi? Non. Ben oui. 1, 2, 3, go! Cheers! Comment shooter? Cheers! Vamos a la playa! Ok. Amiga y gusta bella. Faut que tu le mettes en anglais en premier. Attention. Comment tu sais? Ben, je connais la cuisine. Pourquoi? Ah! Là, ça, faut acheter 30 grammes de sucre en poudre. Ça touche le métal. Ouais. Comment ajouter au blanc le colorant vert qui sache au rouge framboise pour la vanille, les sucres avec le fleur de crème. Ça fait de la meringue. Et la meringue, et la meringue. Un bec d'œuf? Ouais. Pas un bec d'œuf? Non. Ben, c'est bon ça, non? Ouais, c'est bon. T'avais-tu des becs? Oui. C'est la bonne bon? Texture des pieds. Dans un grand bol, incorporez peu à peu le mélange de sucre et d'amande dans les blancs et mélangez avec voilà. Une spatule en silicone. Mélangez en ramenant bord. Ah! We need a spatule. Je répète. Dans un grand bol, incorporez peu à peu le mélange de sucre et d'amande dans les blancs et mélangez avec une spatule en silicone. Mélangez en ramenant le bord du bol vers le centre. En créant l'effet d'une vague, ce qu'on appelle macaroni. Ah, j'ai dit ça? T'as dit que je... Ramonné! Mais quand on est bien homogène, arrêtez de macaroner pour ne pas casser les blancs. Le mélange doit être brillant, lisse et former un mouvement en combat. Ouh, non, ça marche pas. C'est pas une étoile partout. Mais je pense que tu peux en mettre plus, là. Ouais, je pense que aussi, parce que si tu brasses trop... Le but, c'est de se mettre dans le bol. C'est peu à peu, Chani! Chani, tu prends un shot. C'est globuleux. Est-ce que c'est homogène, lisse et ça forme un ruban? Non! Ben regarde, c'est trop mouneux. Oh, ben oh, oui! Oh non! Ouais. Je suis pas très homogène, mais bon. Moi, je trouve ça très beau. Okay. Moi, je trouve que l'animateur, il prend pas assez de shots. Ouais, moi aussi. Shooter! Non, moi, je suis animateur, je prends les shots. Non, un shot! Ok, mais nos mains aussi. Ben voyons, tu as plus de l'alcool dans les macarons. Non! Non! Ok, cheers! Étape numéro 4. Préparez une feuille de papier parchemin sur une plaque à pâtisserie. Avec une poche et une douille à pâtisserie, dressez des petits dômes. La pointe de la douille va toucher la plaque en étant légèrement inclinée, sinon il y aura de l'air sur la meringue. Laissez reposer 5 minutes avant d'enfourner. Faut que tu fasses un trou dans le bout là. Ouais, mais après, ça va couler. Voyons. Nomine, arrête de manger. Regarde, c'est beau ce que je fais! Comment ça ressemble à des caca? Nomé, tu prends un shot. Des caca, Nomé. Mais Chani, c'est plus des bons. Oh mon dieu. Il voulait un défi, voilà le défi. Oh, je suis heureuse. Oh, chaud. Je n'ai plus rien de vaillissant. Bravo! Ah, ok, ça bravo. Il en reste. J'enlève la plaque, on voit la plaque et ça va dans le four. We all take a shot. We're a mess. Oui! Take a cheer. I feel like. Fait que là, on fait un bain Marie. Marie ou Marie? Marie. Marie? Marie. M-A-R-E-A-T-L-U-E? Non, Marie, comme Jésus, Marie, je Marie, sais. Bon, mais Marie, dis Marie ou Marie. Le processus. Dis ben, Marie ou Marie, nous ne savons plus. Donc là, Steven est en train de faire le bain. Marie. Marie ou Marie. Avec de la crème et des pépites des de chocolat. Alors, pendant que tout Marie derrière et tout se laisse reposer, on va jouer à un petit quiz. Je vais vous poser une question. Première personne qui prend la cuillère, qui répond à la question correctement, alors l'autre personne prend un shot. En plus, moi, je suis bonne à Jungle Speed. Quelle est ma profession? Make-up artist. Un shot pour Chani. Mm-hmm. Ouais, ouais. Qui est le premier ministre du Canada? Justin Trudeau. Bravo, Chani Lucha. Quelle est l'actrice principale? Ta mère en shirt. Quelle est l'actrice principale du film Bird Box? Sandra Bullock. Chani, t'es fatigant. C'est
C'est pas ma faute si tu pars pis t'es pas bonne. Donc là, c'est le temps. C'est le temps de faire les macarons, de les monter. Et lui qui aura le plus beau macaron se verra. Se verra. Lui qui aura le plus beau macaron. Le perdant devra prendre deux chats. Non. C'est vraiment pas prêt ça. Faut leur mettre au four. And we'll be back. Ce deck, c'est l'hostie de merde. Les jets, si on pensait que c'était un brownie, c'est pas si pire. Mais là, tu fais comprendre que c'est des macarons. C'est là que c'est de l'hostie de merde. Donc là, guys, je veux avoir deux beaux macarons. Ok. Fait que ça c'est Shani, ça c'est Nomin, votez. C'est la qui a le plus beau macaron? Avec tabou, avec tabou, avec des bas de bidigou. Cheers pour votre epic fail. Slash lui. Avec moi je goûte. Oh bon, tu sais que ça a l'air dégueulasse. Ah, la vraie texture. Le goût est vraiment pas super. La ganache, elle est bonne. Donc, guys, je pense que ça a été un epic fail pour vos macarons. Ouais, vraiment. Je pense que vous n'êtes pas des pâtissières nées. Non. Puis je pense que parce que vous avez fail, vous devez prendre deux shots back-à-back. Mais là, wow. Je vais mettre mes pâtes. T'as encore du chocolat sur le bout du nez. Tu dis, ah! C'est mon grain de beauté. Regarde. Vieille blague. Ça, c'est une vieille blague. C'est pas une blague. J'ai l'édit du chocolat. Regarde. Donc là, dans les commentaires, dites-moi quel macaron avez-vous préféré? Celui de Shani ou ceux de Nomin? Quelle décision déchirante? Bye!